tu sais faire attention à tes rêves, tu ne seras pas surpris par certains événements. Je n'ai pas entendu amen de quelqu'un. Alléluia. Et je voudrais qu'on lise un passage. Job 33, verset 14 à 18. Oui. Job, le chapitre 33, à partir du verset 14. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions afin de détourner l'homme du mal. Parole du Seigneur. Amen. Continue, continue s'il te plaît. Verset 10, verset 17. Jusqu'à 18, oui. Afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la force et sa vie contre des coups du glaive. Amen. Amen. Reprends lentement, écoutez bien. Job 33 à partir du verset 14. Job 33 à partir du verset 14 jusqu'à 18, oui. Dieu parle. Dieu parle. Cependant. Cependant. Tantôt d'une manière. Tantôt d'une manière. Tantôt d'une autre. Tantôt d'une autre. Donc Dieu peut parler à travers la prédication. Alléluia. À travers un conseil. À travers un enseignement. Mais Dieu parle aussi d'une autre manière. Alléluia. On dit quoi? Et l'on n'y prend point garde. Et l'on n'y prend point garde. Et quelle est cette voix par laquelle Dieu nous parle et puis on ne prend pas garde? On y va, continue. Il parle par des songes. Il parle par des songes, par des rêves, par des visions, oui. Par des visions, nocturnes. Oui. Nocturnes. Donc ça peut être même journalière. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Matinal. Amen. Continue. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Donc pendant que tu dors, tu peux avoir un rêve. Et ce rêve-là peut être une des faits ou des images que Dieu est en train de te montrer. Dieu peut être en train de te parler à travers un rêve. Et il y a plusieurs personnes à qui Dieu a parlé à travers des rêves. Mais regardez ce que la Bible nous dit. Quand ils sont endormis, oui, sur leur couche, alors il leur donne des avertissements. Donc Dieu peut parler en rêve pour nous donner des avertissements. Amen. Donc Dieu peut t'amener un rêve pour te montrer non seulement lui son programme, par rapport à ta vie, par rapport à une situation, pour t'avertir. Quelqu'un me suit? Amen. Fais attention. Amen. Voici ce que je suis en train de préparer pour toi. Voici ce que je suis en train de faire dans ta vie. Ou voilà ce que je veux faire dans ta vie. Alléluia. Amen. On se rappelle que dans le cas, garde le doigt dessus. On se rappelle que dans le cas de Joseph et Marie, alléluia, lorsque Hérode voulait tuer l'enfant Jésus, l'ange de l'Éternel est apparu à Joseph. Joseph. Comment? En songe. En songe. Alléluia. Et lui a dit, prends l'enfant et sa mère et fuyez en Égypte. Égypte. Donc Dieu donne un avertissement à Joseph en songe. Amen. Alléluia. Amen. Et il y a beaucoup d'enfants de Dieu que Dieu a averti en songe. Dieu a averti dans les rêves, mais ils n'ont pas fait attention. Mm. Et la chose est arrivée. Mm-hmm. Est-ce que vous savez que Joseph pouvait ne pas faire attention aux rêves qu'il a eus? Et Hérode allait mettre la main sur l'enfant. Parce que quand Dieu parle et que tu n'es pas attentif, la chose peut te surprendre. Mais Dieu t'aura déjà averti. C'est ce qu'il a dit ici, n'est-ce pas? Amen. Alors il leur donne des avertissements. Amen. Quelqu'un me suit? Amen. Deuxième chose, à travers le rêve, Dieu peut faire quoi? Dieu peut donner des instructions. Mmh. Lis-moi la suite. Verset 16. Alors il leur donne des avertissements. Des avertissements. Et met le sceau à ses instructions. Et met le sceau à ses instructions. Dieu peut te montrer un rêve. Tu veux voyager. Et puis Dieu te montre un accident.
en rêve. Et dans l'accident, tu t'en sors. Et tu te poses la question. Mais tu es dans le songe. Hein? Mais comment cela est arrivé? Comment cela est arrivé? Et puis du coup, tu te réveilles. Ah, c'est un rêve. Dieu t'a averti. Amen. Maintenant, comment tu vas traiter ce rêve-là? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un me suit? Amen. Continue. Verset 17. Oui. Afin de détourner l'homme du mal. Afin de détourner l'homme du mal. Donc ça veut dire qu'il y a des rêves qui viennent pour faire du mal. Donc Dieu révèle à travers le rêve un programme du mal. Quand on parle du mal, on parle du malin. Et quand on parle du malin, on parle du diable. Et quand on parle du diable, on parle de Satan. Yes. Donc, il y a des rêves qui viennent pour révéler le programme satanique sur ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Important. Et ces rêves-là viennent pour te donner l'information. Quelqu'un me suit? Amen. Continue, Franck. Verset 17. Oui. Afin de détourner l'homme du mal. Oui. Et de le préserver de l'orgueil. De le préserver de l'orgueil. Continue. Afin de garantir son âme. Afin de garantir son âme. De la force. De la force. Donc ça veut dire quoi? Si Dieu veut garantir ton âme de la force, ça veut dire qu'il y a la mort devant. Quelqu'un me suit? Amen. Un avertissement par rapport à une situation qui est en train d'arriver, ou même qui est déjà arrivé dans laquelle tu te trouves, mais il y a la mort devant. Alléluia. Amen. Quelqu'un me suit? Amen. Continue. Afin de garantir son âme de la force, oui, et sa vie des coups du glaive. Et sa vie des coups du glaive. Qui donne le glaive? C'est le diable. Donc, le diable peut avoir programmé des choses contre toi. Et ces choses-là sont en train de se réaliser même dans ta vie. Mais tu ne sais pas. C'est là qu'on parlera maintenant de rêves sataniques. Alléluia. Amen. Où tu vois en rêve des choses que tu ne désires même pas voir. Alléluia. Amen. On a écouté les témoignages de nos soeurs ce matin. On a vu notre soeur qui, dans son rêve, a vu qu'on lui déchirait le pied. Et on introduisait quelque chose dans son pied jusqu'au niveau de la cuisse. Et la douleur était tellement intense qu'elle se réveille avec la douleur physiquement. Quelqu'un me suit? Un programme satanique. Et depuis ce temps-là, elle se sent malade. Elle va à l'hôpital. On lui donne des médicaments, mais la douleur est là. Elle appelle. Allô papa, je suis malade, je ne me sens pas bien. Je lui donne des instructions au téléphone. Je prie pour elle au téléphone. Elle applique les instructions. Et la même nuit, c'est-à-dire elle a eu le rêve, peut-être quelques jours avant, où cette situation s'est passée, et elle est malade, et le joueur m'appelle, je prie pour elle, je lui donne les instructions, elle applique les instructions, et on prie. Et la même nuit, elle voit cette jeune fille de près de 7 ans, avec un drap sur elle, qui vient dire, tout ce qui t'arrive là, c'est nous qui sommes à la base. Assieds-toi, et je vais te dire ce qui se passe. Elle s'est dit en songe, je vais courir pour aller appeler papa et maman pour qu'ils viennent s'asseoir pour entendre ce que cette jeune fille-là va me dire. Et elle se réveille. Donc, le rêve qu'elle a eu était un rêve satanique qui révélait le programme du diable contre sa vie. À l'hôpital, on lui dit non, c'est des traces de typhoïde. Il y a des maladies
coller ça parce qu'on a besoin d'un prétexte. Mais alors que ce n'est pas la maladie qui t'a emporté, mais le problème est spirituel. Donc Dieu est en train de lui montrer que ce qu'elle vivait n'était pas normal. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis bien amen s'il te plaît. Amen. Amen. Ça va? On a vu le rêve de notre soeur qui a eu des blocages dans sa vie pendant combien d'années? Mais en rêve, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a vu qu'on lui versait des serpents sur la tête. Quelqu'un me suit? Des serpents sur la tête. Et depuis ce temps-là, elle a commencé à être malade. Elle va à l'hôpital, on fait tout, tout, tout. Et rien ne se passe. L'insomnie, elle ne dort pas. Elle va voir les neurologues, les plus grands. On lui donne les traitements, rien. S'il y a une maladie que tu as et tu vas à l'hôpital et que la médecine n'arrive pas à traiter, vois du côté spirituel. Alléluia. Alléluia. Ça va? Amen. Quelqu'un me suit? Amen. Et donc, la source des rêves, on a dit qu'il y a Dieu, il y a le diable. Alléluia. Et à l'homme. Et à l'homme. Comment on peut savoir que ça vient de l'homme? Je reviendrai sur les rêves sataniques. Prends rapidement ta Bible. On va lire Ecclésiaste. Genèse. Non, Ecclésiaste d'abord. Ecclésiaste chapitre 5. Ecclésiaste chapitre 5. Ça va? Verset 2. Ecclésiaste chapitre 5 à partir du verset 2. Oui. Car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. Reprends. Ecclésiaste chapitre 5 verset 2. Oui. Car si les songes oui. naissent oui. de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. Donc les songes peuvent naître à partir de quoi? De la multitude des occupations. De la multitude des occupations. Amen. Donc toute la journée, je peux faire des tâches. Et puis la nuit, je rêve à ça. Quelqu'un me suit? La journée a été difficile. La journée... J'ai beaucoup bougé, j'ai beaucoup travaillé. Et puis, je dors la nuit, je me vois en train de travailler toujours. Alléluia. Et deux fois, attends, on va lire un deuxième verset. Ésaïe 28, verset 8. Ésaïe 28, verset 8. Alors, on parle des sources humaines. Oui. Ésaïe 28, verset 8. Ésaïe 28, verset 8. Oui. Ésaïe, le chapitre 28. Oui. À partir du verset 8. Toutes les tables sont pleines de vomissements d'ordures. Reprends à partir du verset 7. Verset 7. Oui. Okay. Ésaïe 28 à partir du verset 7. Oui. Mais eux aussi, ils chancellent dans le vin. Et les boissons fortes leur donnent des vertiges. Sacrificateurs et prophètes chancellent dans les boissons fortes. Ils sont absorbés par le vin. Ils ont des vertiges à cause des boissons fortes. Oui, continue. Ils chancellent en prophétisant. Ils vacillent en rendant la justice. Verset 8. Toutes les tables sont pleines de vomissements d'ordures. Oui. Il n'y a plus de place. À qui veut-on enseigner la sagesse? À qui veut-on donner des leçons? Est-ce à des enfants qui viennent d'être sevrés? Qui viennent de quitter la mamelle? Car c'est précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle. Un peu ici, un peu là. Verset 11. Eh bien, c'est par des lèvres, par des hommes aux lèvres balbutiants et au langage barbare que l'Éternel parlera à ce peuple. Amen. Amen. Deux fois, on rêve. Une fois, il y a une de mes filles qui m'appelle et me dit, ah papa, je suis en train de prendre de l'âge. Et vraiment, le mariage là, je ne comprends pas. J'ai pris, ça ne vient pas. Et tout ça, et tout ça. J'ai dit, il faut prier. Rentre en jeûne et prie.
Alléluia. Et puis un jour, elle m'appelle. Elle dit, j'ai fait un songe où dans le songe, je me mariais. Elle dit, il faut prier. Alléluia. Et puis un jour, elle m'appelle, elle me dit, ah, papa, il y a quelqu'un qui s'intéresse à moi. Hein. J'ai dit, ah bon, explique-moi, c'est qui? Elle dit, non, mais papa, c'est un prophète. Elle dit, c'est un prophète. Elle dit, oui. Elle dit, bon, dis-moi, il est dans quel ministère? Elle dit, non, il n'a pas d'église. Elle dit, mais qui est son père spirituel? Elle dit, non, il n'a pas de père spirituel. Il est indépendant, il est autonome. Elle dit, ma fille, pardon, Yachi. C'est pas parce que tu veux te marier que tu vas rentrer partout. Pourquoi? Elle a une bonne situation. Elle travaille. Quelqu'un me suit? Donc, voici une belle opportunité. Si tu es serviteur de Dieu, tu dois avoir une église. Tu dois avoir une autorité qui te couvre spirituellement. Mais tu es un atome comme un atome dans la nature. Un électron libre. Donc, mais toi, tu es prophète comment alors? Donc, tu es prophète dans la nature comme ça. J'ai dit, ma fille, pardon, si tu m'appelles papa, enlève ton pied dedans. Celui-là, il cherche une femme qui a les moyens, qui va l'aider. Ce n'est pas une épouse, il cherche. Je n'ai pas la nuit ce matin. Alléluia. Alléluia. Depuis ce jour-là, elle n'a plus de songe où elle est en train de se marier. Parce que tu as envie de te marier, forcément, ça va créer des rêves. Ça ne vient pas de Dieu, forcément. Alléluia. Amen. Quelqu'un me suit? Amen. C'est ce que l'Ecclésiaste dit. Car si les songes naissent de la multitude des occupations, tu veux te marier. Ta préoccupation, c'est quoi? Mariage. Tu veux voyager. Ta préoccupation, c'est le voyage. Amen. Tu vas forcément avoir un rêve où tu es en train de partir à l'ambassade, prendre un visa. Quelqu'un me suit? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Verset 6 de Ecclésiaste chapitre 5, rapidement. Ecclésiaste 6, 5. Ecclésiaste 6. 5, 6, pardon. 5, 6, verset 6. Ecclésiaste chapitre 5, verset 6. Oui. Car s'il y a des vanités dans la multitude des songes, il y en a aussi dans beaucoup de paroles. C'est pourquoi crains Dieu. Ah. Car s'il y a des vanités dans la multitude des songes, Il y en a aussi dans beaucoup de paroles. Dans beaucoup de paroles. Donc ça veut dire qu'il y a des songes qui sont vains. Vanité des vanités. Tout est vanité. Tout est vanité. Vanité. Donc là, c'est un rêve qui est fabriqué par toi-même. Ton ego. Et il y a des enfants de Dieu qui se laissent conduire par ces gens de songes-là. Et Dieu m'a montré que c'est toi qui es ma femme. Moi, très souvent, quand quelqu'un me dit, Dieu m'a dit là, je ne parle plus. Parce que je ne suis pas plus grand que Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais ce matin, je veux plus axer sur les songes, les rêves sataniques. La dernière fois, enfin une fois, il y avait un frère qui était malade. Et puis, maman a pris une équipe de personnes, de femmes, qui sont allées dans la famille là-bas pour aller prier pour ce frère. Et quand elles ont fini, elles sont allées prier, Dieu a vraiment travaillé ce jour-là. Et Dieu a montré la source même du mal. Et donc, la source étant découverte, ce n'est pas une source physique, c'est une source spirituelle. Donc, la source étant découverte, ça veut dire que la guérison va forcément se manifester. La même nuit, le frère, il fait un rêve. Dans le rêve, il se retrouve sur un grand terrain
Ils ont tué un mouton. Et puis, il y a des jeunes filles qui devaient dépecer le mouton, et puis brûler la tête et les pattes du mouton. Et puis, ils disent, non, ça, ce n'est pas le travail des femmes. Laissez-moi, je vais faire. Ils récupèrent, ils nettoient le mouton. Il nettoie, il lave bien, et puis il prend la tête, il commence à briser, il fait tout ça, et tout ça, et tout ça, sur le terrain. Et puis, quand il se réveille, c'est un rêve. Et puis il dit, aïe, on m'a eu. Écoutez-moi. Il fait le rêve, très tôt le matin. Il dit, aïe, on m'a eu. On l'a eu comment? Jusqu'au soir, 19h, il a commencé à rendre l'âme. Les parents nous appellent, on court, on arrive à la maison. On le met dans la voiture. Il bavait déjà même. Et puis on prend la direction du CHU, de Cocody. Là, on a roulé à vive allure. On arrive au CHU. Les médecins le font sortir de la voiture. On l'amène dans une salle d'urgence. Et puis, les gens commencent à traîner d'une manière. Ils savaient que c'était déjà fini. Et puis, ils demandent, allez, eux, son carnet médical. Donc, sa tante dit, c'est à la maison. Donc, on reprend la voiture. Entends, lui, il est à l'hôpital. On reprend la voiture. C'est moi qui étais au volant ce jour-là. On sort du CHU et puis on se dépêche pour venir à la maison. Et à un feu, je faisais un demi-tour et puis je monte sur le trottoir. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, c'est fini. J'ai compris que c'était fini. C'était cet incident que j'ai eu. Je dis, ça, il y a quelque chose. Dieu me dit, c'est fini. Je n'ai rien dit. On est arrivé à la maison, on a récupéré son carnet et on est retourné à l'hôpital avec sa tante. Et arrivé à l'hôpital, son oncle était là. Et sachant que la tante, elle est émotive. Donc, il m'a appelé à côté et me dit, les médecins disent que c'est trop tard. Il dit, Dieu m'a dit ça dans la voiture quand je partais. Maintenant, comment annoncer ça à sa tante? Écoutez bien, le songe que le jeune homme a eu, il était sur un terrain, et on a tué un mouton, et puis c'est lui qui dépeçait le mouton. Ses funérailles ont été faites sur ce même terrain-là. C'est pour ça qu'il a dit, on m'a eu. Donc, on m'a eu. Donc, j'ai dépeçé quel mouton? C'est moi-même. Rêve satanique. Quand il a eu ses rêves, si une prière, il avait annoncé, il avait informé qu'une prière était engagée, il allait avoir une restitution. Voilà pourquoi ne négligeons pas nos rêves. Une fois, j'appelle une maman. Et c'est sa mère qui était malade. Et je lui ai dit, fais venir ta maman à l'église. Vous savez, ce n'est pas partout on prie pour les malades. Parce que, des fois même, l'autel qui alimente cette maladie-là se trouve dans la maison. Et donc, si on part à prier là-bas, l'autel est là. Pendant qu'on prie, la personne peut sembler se sentir bien. Mais on va repartir. L'autel est là. Les esprits vont faire quoi? Ils reviennent sur l'autel. Une fois, c'est comme ça, on m'appelle, on me dit, non, il y a quelqu'un qui est malade. On doit aller prier chez la personne à la maison. Je sais que Dieu nous utilise dans la guérison. Il nous utilise dans la délivrance. Mais j'ai dit, amenez-le à l'église. Je ne peux pas aller chez lui à la maison. Je ne sens pas dans mon esprit d'aller prier pour lui à la maison. Ils ont
ont pris une servante de Dieu sans le prier. Ça allait. Le monsieur est parti en Europe. Quelques mois après, il est décédé. Écoutez-moi. Voyez les sept fils de Séva. Là où il priait pour le démoniaque, c'était où? Dans la maison de Dieu? Non. Il s'est promené de maison en maison. Et ils sont arrivés chez ce démoniaque-là. Même Jésus, des fois, il prend le malade et puis le fait sortir de la ville. Donc, je dis à cette maman, je dis, amène ta maman à l'église, on va prier pour elle. Elle ne l'a pas amenée et puis, ça a continué. Et puis un jour, j'appelle et puis je demande après la maman. Elle me dit, oui, ça vraiment, ça, son état, ça va, ça vacille, c'est comme ça. Et puis je pose la question, dis-moi, je vois comme elle a eu un rêve qui a trait au village. Elle me dit, effectivement, maman, tu as fait un rêve, non? Elle dit, oui, j'ai fait un rêve, j'ai vu mon défunt mari. Son mari est décédé il y a longtemps. J'ai vu mon défunt mari qui m'a remis une somme de 10 000. Elle dit, mais, maman, la somme que son défunt mari lui a donnée, c'est le transport pour aller au village. Pour aller chez vous au village, c'est combien le transport? Quand elle a calculé, ça faisait 10 000. Il dit, il y a un esprit de mort qui la réclame. La maladie qu'elle a, non seulement est spirituelle, mais voici le programme du diable, à la fin c'est la mort. Donc il faut faire quoi? Il faut prier. Au téléphone, j'ai donné instruction, on a prié, en la oignant d'huile et tout ça, et tout ça, et tout ça. Une fois, j'ai fait un songe moi-même. Dans le rêve, je me retrouve dans une salle d'hôpital. Une chambre d'hôpital. Je suis couché. Et puis, j'ai dit, mais je fais quoi ici? Il faut que je sorte d'ici. Donc, je me lève. J'ai dit, mais je ne suis pas malade. Je fais quoi ici dans la chambre d'hôpital? Je prends mes habits, je porte. Et puis, je sors dans le couloir. Et pendant que je suis en train de marcher dans le couloir de l'hôpital, je vois un homme qui vient. Je reconnais cet homme-là. Et il poussait une grosse boule comme ça. Et la boule était tellement flexible, vous voyez un peu comme le rognon, mais en gros modèle. Donc il poussait ça, et puis il venait. Donc j'ai fait quoi? Je me suis adossé contre le mur, et puis je l'ai laissé passer. Et je regarde sur la boule, c'est écrit dessus, tuberculose. Quand il est passé, j'ai regardé la direction, il va dans la chambre où j'étais. Je sors de l'hôpital et je me mets en prière. Je commence maintenant à me déprogrammer et à faire un retour à l'expéditeur. Physiquement, cette fois-ci, physiquement, j'ai commencé à prier maintenant. Vous savez de quoi cet homme est mort? La tuberculose. Donc il y avait un programme satanique de maladie contre ma vie. Alléluia. Quelqu'un me suit? Amen. Quel est le message que ton rêve te donne? Quel est l'avertissement ou quel est le message que Dieu te donne à travers ce rêve que tu fais? Il y a des gens qui passent leur temps à manger en rêve. Regarde ton voisin, dis-lui, qui a préparé puis tu manges? Qui a préparé puis tu manges? À ma connaissance, si je vais dans un restaurant, avant de manger là-bas, je dois payer. Mais tu manges, qui a payé pour toi? Donc tu vas payer avec quoi? C'est que tu manges. Tu es en train de manger quoi? N'es-tu pas en train de manger la grâce qui arrive vers toi? N'es-tu pas en train de manger la bénédiction que Dieu amène vers toi? Est-ce qu'il n'y a pas eu un échange? On te donne quelque chose à manger pour récupérer ça? Alléluia.
Alléluia. Amen. Il y a des gens qui font des rêves où dans le rêve, ils ont des rapports sexuels. N'est-ce pas? Les rapports que tu as en rêve là. La femme là, tu l'as mariée? L'homme là, il t'a marié? Qu'est-ce qu'il prend? Ou qu'est-ce qu'elle prend de toi? La Bible dit que Jacob a usurpé le droit d'aînesse à son frère Ésaü. À travers quoi? En nourriture. C'est que tu manges là, ça veut quoi tu vas payer demain? Tu te lèves, un rendez-vous arrive, tu dis j'ai un rendez-vous de temps, c'est sûr, c'est bouclé, il n'y a rien à faire, on monte, on descend, ça là, c'est pour moi. Et puis tu vois, ça passe comme ça. Tu as mangé ça déjà. Alléluia. Ce matin, je veux qu'on prie. Je veux qu'on prie. Quelqu'un veut prier ce matin avec moi? Amen. Mets-toi sur tes deux pieds. Comment vaincre les rêves sataniques? Un, il faut forcément que tu donnes ta vie à Jésus. Alléluia. Parce que la Bible déclare que Jésus est venu pour libérer les captifs. Un, donne ta vie à Jésus. Deux, renonce à toute alliance rattachée à ces rêves sataniques-là. Alléluia. Trois, il faut détruire ce programme satanique. Quatre, il faut proclamer ta victoire. La dernière fois, on a écouté le témoignage du frère qui dit, le nouveau travail qu'il a eu, on reste debout s'il vous plaît. Le nouveau travail qu'il a eu, son salaire, son ancien salaire dans le travail où il était, correspond à ses frais, aux frais d'entretien de sa voiture. Son ancien salaire dans l'entreprise où il était, correspond aujourd'hui aux frais d'entretien de sa voiture. Mais écoutez, avant qu'il ne vienne à Abidjan pour venir prendre le contrat, il a eu un rêve. Dans le rêve, on voulait finir avec lui. On voulait le tuer. Et il a eu un accident physiquement. Il a arrêté un feu sur sa moto au nord là-bas. Et puis, voici une autre moto qui quitte quelque part, vient le cogner. Et c'est ce dernier-là qui est tombé, qui est blessé. Et là où il est venu cogner, c'était là où se trouvait sa jambe. Qu'est-ce qu'on a programmé dans le surnaturel contre toi? Qu'est-ce qui a été planifié sur le plan spirituel contre toi? Ce matin, je vais aider quelqu'un dans la prière. Lève les deux mains. Lève les deux mains. J'ai beaucoup à dire dessus. Mais à cause du temps, on va prier là. Si Dieu fait grâce, dimanche prochain, on reviendra sur le même thème. Ou le mercredi au programme de prier jusqu'à triompher. Le mercredi, ce serait bon. Là, on a encore assez de temps pour prier. Donc le mercredi, on priera à prier jusqu'à triompher avec ce thème-là. On va accentuer ça. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui se voient en train de poursuivre en rêve. Qui te poursuit? Pourquoi on te poursuit? C'est qu'il y a quelque chose que tu as, que tu ne devais pas avoir. Et tu as eu. Donc on te poursuit pour faire quoi? T'arracher ça. On te poursuit pour te détruire. On te poursuit pour te ramener de là où tu es sorti. Tu as réussi à sortir de la prison spirituelle. Donc on te poursuit pour te ramener. Parce que tu es un wanted, recherché. Dis ce matin, ça prend fin. Ce matin, ça prend fin. Lève les deux mains. Commence à dire merci au Seigneur pour l'information qu'il t'a donnée. Dis merci au Seigneur pour l'information qu'il t'a donnée. Dis-lui merci. Dis-lui merci.
Mandolo bosh. Brakasata lebos parondo siaka. Ribroche kinamakoya zatarabados. Rondolo bos prako seketelebo. Nous voulons bénir ton Saint-Nom. Latosh prato sekelebo. Pour ton amour, pour ta fidélité, pour ta bonté, pour ta grâce. Pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais. Tu es le seul et véritable Dieu. Seigneur, nous te bénissons. Parce que les projets des ennemis de nos vies ont été révélés à travers ces différents songes. Machakatalaba. Brekozo telebo. Merci pour cette victoire que tu accordes à mon frère, à ma soeur ce matin. Lebro prato sekelebo. Garde les mains levées. Suis-moi dans cette prière. Père céleste. Père céleste. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Et par la puissance du Saint-Esprit. Et par la puissance du Saint-Esprit. Je me présente devant toi ce matin. Je me présente devant toi ce matin. Tel que je suis. Tel que je suis. Des programmes sataniques. Des programmes sataniques. Ont été arrêtés. Ont été arrêtés. Et tu me les as montrés à travers des rêves. Et tu me les as montrés à travers des rêves. Pour m'avertir. Pour m'avertir. Pour que je puisse me lever. Pour que je puisse me lever. Et ce matin, tu parles à mon âme. Et ce matin, tu parles à mon âme. Pour confirmer ce que tu m'as montré. Pour confirmer ce que tu m'as montré. Et pour affronter cela. Et pour affronter cela. Ce matin. Ce matin. Je couvre mon esprit. Je couvre mon esprit. Mon âme. Mon âme. Et mon corps. Et mon corps. Du sang de Jésus. Du sang de Jésus. Je couvre. Je couvre. Ma vie tout entière. Ma vie tout entière. Du sang de Jésus. Du sang de Jésus. Je couvre. Je couvre. Toute ma maison. Toute ma maison. Du sang de Jésus. Du sang de Jésus. Je couvre. Je couvre. Ma famille. Ma famille. Du sang de Jésus. Du sang de Jésus. Je couvre. Je couvre. Mon travail. Mon travail. Mes activités. Mes activités. Mes enfants. Mes enfants. Du sang de Jésus. Du sang de Jésus. Commence à réclamer le sang de Jésus sur ta vie. Réclame le sang de Jésus. 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 Makelebos. Brandobos, parado, sekerebos, rude jeketere bakandelebos, parado, rimbrazakatelebos, parado, sheketeke, marago, separado, lobo, sekerebo, brando, lobo, seketele, korabaga, sekelebo, mato, lobo, sekelebo, siatarabade, rebrado, lore, bakazakatelebos, tekelebo, shingarabado, Merego santelebo, rodabagaze keterebo, sakaradabago, rimbrozo ketelebo, spradolobo sekerebo, radakaza ketelebo, repakarado sekerebo, shakarabado. Alléluia. Lève les mains. Mon père, mon père. Mon père, mon père. Ce matin. Ce matin, je me lève contre tous les rêves sataniques. Contre tous les rêves sataniques. À partir desquels ma vie est influencée. Ma vie est influencée dans le mauvais sens. Dans le mauvais sens. Dans le mauvais sens. Dans le mauvais sens. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je me lève. Contre tous les programmes sataniques. Contre tous les programmes sataniques. Planifiés dans le monde des rêves. Planifiés dans le monde des rêves. Et qui est en train de s'accomplir. Contre ma destinée. Contre ma destinée. Ce matin. Je viens renverser cela. Je viens renverser ces projets. Je viens annuler ces projets. Je viens détruire ces projets. Ah mon Dieu, mon Père. Mon Dieu, mon Père. Pendant que je bats des mains. J'annule. Les aya brasika brasa brasa taya dabra. Les bossa taya dabre. Les bossa taya dabre. Les bossa taya dabra. Les bossa dabra. Les yon de bro, tan de bro, sa yada bre. Ika mo sa yada bra, zika ma yada bra. Le bra kalabra, se ta yada bra. Le ma yada bre, zika ma yanda bra, so kala yanda bre. Mo si kala yanda bra. Le bro kanda bre, kanda bre. Le suka yanda bre. Mo si kala yanda bra.
tout programme des ténèbres qui se manifeste à travers mes rêves, ce matin, je renverse cela au nom de Jésus-Christ. Je démolis cela au nom de Jésus-Christ. Je détruis cela au nom de Jésus-Christ. Tout programme des ténèbres, tout programme sorcellerie, tout programme de la mort, tout programme d'esprit des autres, tout programme d'esprit familier qui se manifeste à travers mes rêves, ce matin, je me lève, je renverse, je démolis, je poussoie ces rêves au nom de Jésus, 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 que tout rêve satanique, tout rêve démoniaque, tout rêve sorcellerie qui a été organisé, qui a été planifié contre ma destinée, ce matin, au nom puissant de Jésus, serait renversé, serait démoli, serait foudroyé, serait annulé par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, pour être satanique, pour être démoniaque, pour être sorcellerie qui m'a été imposé ce matin, par le sang de Jésus, j'annule cela, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Qui te poursuit en rêve? Pourquoi est-ce qu'on te poursuit en rêve? Lève les mains, suis-moi dans la prière. Père céleste. Père céleste. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Quelles que soient les poursuites. Quelles que soient les poursuites. Sataniques. Sataniques. Dont je suis l'objet. Dont je suis l'objet. Dans mes rêves. Dans mes rêves. Ce matin. Ce matin. Je me lève. Je me lève. Contre ces poursuites. Contre ces poursuites. Quels que soient ces esprits. Quels que soient ces esprits. Quels que soient ces hommes. Quels que soient ces hommes. Ces femmes. Ces femmes. Ces agents du diable. Ces agents du diable. Qui me poursuivent. Qui me poursuivent. Dans ces rêves. Dans ces rêves. Quels que soient leurs motifs. Quels que soient leurs motifs. Les objectifs. Les objectifs. Ce matin. Ce matin. Je me lève. Je me lève. Je renverse leurs programmes. Je renverse leurs programmes. Je renverse leurs projets. Je renverse leurs projets. Je leurs poursuites. Je leurs poursuites. Pendant que je pars derrière. Tout programme des ténèbres qui se manifeste par des poursuites en rêve. Ce matin, j'envoie le feu. J'envoie le feu. J'envoie le feu. Je détruis. Je démolis. J'anéantis tout rêve satanique, tout rêve démoniaque, tout rêve sorcellerie dans lequel je suis poursuivi au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, par le sang de l'agneau, par le sang de Jésus, je mets un terme, je mets un terme, je mets un terme à toute poursuite des ténèbres dans mes rêves, par le sang de Jésus, je mets un terme à toute poursuite. Toute manipulation des ténèbres contre ma destinée dans les rêves. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je renverse ces rêves. J'annule ces rêves. Par le sang de Jésus. Je mets terme. Je mets terme. Je mets terme à toute poursuite de la sorcellerie dans mes rêves au nom de Jésus-Christ. Quel est l'autel satanique qui soutient ces rêves sataniques dans ta vie? Alléluia. On va renverser l'autel. Tu n'as pas dit amen. Amen. Il y a deux points de prière. On va continuer le mercredi. À la prière du soir. Alléluia. Amen. Mon père, mon père. Mon père, mon père. Quel que soit. Quel que soit. L'autel satanique. L'autel satanique. Qui soutient ses programmes sataniques. Qui soutient ses programmes sataniques. À travers ses rêves sataniques. À travers ses rêves sataniques. Ce matin. Ce matin. Je me lève contre ces autels. Je me lève contre ces autels. Qu'ils viennent de la maison de mon père. Qu'ils viennent de la maison de mon père. Qu'ils viennent de la maison de ma mère. Qu'ils viennent de la maison de ma mère. Je me positionne ce matin. Je me positionne ce matin. Dans le sang de Jésus. Dans le sang de Jésus. Je renverse ces autels. 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 Je les détruis par le feu. Je les détruis par le feu. Pendant que je bats des mains. Ah, 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 je renverse. Ah, 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 ah.
Holy Ghost fire. Le parasika la yadabra. Le brasayad ekamaseta yadabra. La brosayanda breka masita brakandabre. Le brosata yandabre. Likolobo santa yadabre. Bosika yandabre. Le brosanta bre. Leyon de bro. Mon père, en ce matin, j'invoque le feu dévorant. Le feu qui descend du trône de l'Éternel pour consumer, pour foudroyer, pour détruire tout hôtel de la maison de mon père, de la maison de ma mère, par lequel je suis manipulé en rêve. Que ces hôtels prennent feu, 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 feu. Je renverse ces hôtels, je foudroie ces hôtels par le feu de l'Éternel, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tout hôtel satanique, hôtel sorcellerique, hôtel de mort, issu de la maison de mon père, de la maison de ma mère, par lesquels des rêves me sont envoyés pour manipuler ma destinée. Ce matin, au nom de Jésus, j'invoque le feu, j'invoque le feu, au nom de Jésus. On va détruire ces rêves-là. Parce que c'est des programmes. Alléluia. Amen. On va détruire ces rêves-là. Je pense que ce message ne sera pas seulement pour ce dimanche. Le mercredi, on priera. Mais dimanche prochain, Dieu voulant, on reviendra sur ce thème-là. Il y a beaucoup de choses à dire dessus. Alléluia. Amen. Lève les mains. Dis, mon père, mon père. Mon père, mon père. Je suspends. Je suspends tout programme satanique. Tout programme satanique qui a été planifié. Qui a été planifié depuis le règne spirituel. Depuis le règne spirituel. Quelqu'un me suit? Yes. Chose que tu dois avoir. Et à travers ces rêves, on t'a dépouillé. On va suspendre leur programme. Amen. Ce rêve-là ne viendra pas à la réalité. Amen. Quelqu'un n'a pas dit amen. Amen. Ce rêve ne viendra pas dans la réalité. Amen. Donc en un mot, il ne s'accomplira pas. Il n'aura pas lieu. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Cela n'aura pas lieu. Lève les mains. Mon père, mon père. Mon père, mon père. Que tout ce qui a été planifié et programmé. Que tout ce qui a été planifié et programmé. Depuis le règne satanique. Depuis le règne satanique. Et que tu m'as montré. Et que tu m'as montré. À travers les rêves. À travers les rêves. Que ce soit la maladie. Que ce soit la maladie. La mort subite. La mort subite. Les incidents. Les incidents. Les accidents. Les accidents. Les attaques. Les attaques. Les dépouillements. Les dépouillements. Ce matin. Ce matin. Je me tiens dans le sang de Jésus. Je me tiens dans le sang et de Jésus. Et je déclare. Selon Ésaïe 7. Selon Ésaïe 7. Verset 7. Cela n'arrivera pas. Cela n'arrivera pas. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Cela n'aura pas lieu. Tous ces programmes sataniques. Tous ces programmes sataniques. Je les suspends. Je les suspends. Dans le temps et dans l'espace. Dans le temps et dans l'espace. Ils n'arriveront pas. Ils n'arriveront pas. Ils ne s'accompliront pas. Ils ne s'accompliront pas. Que je bats des mains. Vas-y, la boca, Zidabra. Ils ne s'accompliront pas. Les macabras, c'est Ayadabra. Les colobos, Ayadabre, Kamasika, Bayandabre. Les bras, Ayadabre, Kaziadabra. Les colobos, Santabre, Kantabre. Tout programme des ténèbres qui se manifeste dans mes rêves. Je déclare, je décrète par l'autorité divine et la puissance du Saint-Esprit, ma puissance, Ésaïe 7:7. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout reste satanique. Tout reste démoniaque. Tout reste sorcellerique qui m'a été imposé. Je déclare au nom suprême de Jésus. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Par le sang de Jésus, j'efface tout reste satanique, tout reste démoniaque, tout reste sorcellerique qui m'a été imposé. Au nom de Jésus, par le sang de Jésus, j'efface tout reste satanique, tout reste démoniaque, tout reste sorcellerique qui m'a été imposé. Moi et ma maisonnée, moi et mes enfants,
moi et mon épouse, par le sang de Jésus, j'efface ses rêves, je suspends ses rêves, j'arrête ses rêves, qu'ils soient annulés par le sang de Jésus, qu'ils soient annulés par le sang de Jésus, je décrète en vertu du pouvoir qui m'a été conféré par le nom de Jésus, que ces rêves sataniques, ces rêves démoniaques, ces rêves sorcériques n'auront pas lieu. Cela n'arrivera pas. Au nom suprême de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu diras amen à cette prière simplement. Je déclare ce matin que tout ce qui a été planifié dans le règne spirituel, tout programme satanique qui a pris pied dans le monde surnaturel et qui avait commencé à s'accomplir dans ta vie pour empêcher ta joie, pour empêcher ta paix de se manifester, ce matin, je renverse ce programme-là au nom de Jésus. Amen. Je détruis la source de cette attaque satanique dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Que les poursuites sataniques qui ont cours contre ta vie, contre ton foyer, contre ta santé, contre ton travail, contre ta maison, prennent fin au nom de Jésus. Amen. Je disperse tous ceux qui te poursuivent. Tous ceux qui te réclament. Amen. Tes songes. Amen. Je les disperse par le feu. Amen. Je les disperse par le feu. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Que tout programme satanique à travers lequel on te dépouille à la porte de la bénédiction, à la porte du succès, à la porte de la victoire, à travers les rêves sataniques, ce matin, je suspends ce programme sur ta vie au nom de Jésus. Amen. Je suspends ce programme sur ta vie au nom de Jésus. Amen. Je suspends ce programme sur ta vie au nom de Jésus. J'annule ce programme au nom de Jésus. Amen. Je détruis ce programme au nom de Jésus. Amen. À travers les nourritures nocturnes, dans tes rêves, tout ce qu'on t'a volé, tout ce qu'on t'a arraché, ce matin, je récupère cela et je te restitue cela au nom de Jésus. Amen. Je te restitue cela au nom de Jésus. Amen. Je te restitue cela au nom de Jésus. Amen. Je te restitue cela au nom de Amen. Jésus. Amen. Toute mort qui a été programmée depuis le règne spirituel et qui a commencé à se manifester à travers des rêves. Kabosha kabades, rabakaseta rabados, brate kasakatele bahota. Toi serpent, toi serpent, derrière cette situation là-bas, Lisa yadabrokama. Amen. Au nom de Jésus. Je me fais à tes yeux. Au nom de Jésus. Je me fais à tes yeux. Au nom de Jésus. Je me fais à tes yeux. Au nom de Jésus. Je me fais à tes yeux. Au nom de Jésus. Je me fais à tes yeux. Au nom de Jésus. Le serpent qui te poursuit en rêve. Dans le nom de Jésus, toi serpent, la Bible déclare que tout genou fléchira. Amen. Et que toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Je casse tes membres. Amen. Tous tes œuvres. Amen. Je coupe ta tête. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Brachez que toute prison satanique dans laquelle on a enfermé tes enfants, dans laquelle on a enfermé ton travail, dans laquelle on a enfermé les membres de ta famille, je prends la clé de David et j'ouvre la porte de la prison. Amen. J'ouvre la porte de prison. Amen. J'ouvre la porte de prison. Amen. J'ouvre la porte de prison. Amen. Je sors. Au nom de Jésus. Amen. Garde les mains levées. Je sens un mouvement dans la salle. Masika la brosata yadabre. Mosika la yandabra kabra sete le basika ba yandabra. Toi serpent. Le yadabro. Tu as assez agi dans la vie de cet homme. Au nom de Jésus.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Repêche-toi. Au nom de Jésus. Maseta Yadabra. Commence à parler en langue. Commence à parler en langue. Parle en langue, parle en langue, parle en langue. Masina brakasika yadabra, mosasa yadabre. Le yandabra sika la ba yadabra. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le sakaba uzadada kaba. Masikete lebo. Masika ba yandabra le yadabra. Shikaba da bagus. Yadabro kala yandabre. Ah ma 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 ma. Masika la ba. Ah 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 ah. Le sakaba yadabra. Pose tes deux mains sur la tête. Pose tes deux mains sur la tête. Je ne suis plus responsable de ce qui se passe. Pose tes deux mains sur la tête. Mandelebos pratosh. À partir de cet instant, je déclare et je décrète que le règne des ténèbres qui a eu accès à ta vie à travers ce rêve perd son autorité sur toi au nom de Jésus. Je pose ma main sur tes mains. Aidez-la, 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 aidez-la. Je demande à tout le protocole de se disposer dans toute la salle, s'il vous plaît. Brando Boshe Kabarabados. Je rentre dans le règne des rêves. Et je m'attaque à tout rêve satanique. À partir duquel ta vie est malmenée. Ta destinée est malmenée. Ton foyer est malmené. Ton travail est malmené. Je me tiens dans le sang de Jésus. Et je détruis son pouvoir dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Ton amen ne me convainc pas. Amen. Je pose ma main sur tes mains. Et j'ordonne la délivrance. Sois libre au nom de Jésus. 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 Ce programme satanique sur ta vie prend fin ce matin au nom de Jésus. J'entre dans la maison de ton père. J'entre dans la maison de ta mère. Et je me lève. Aidez-la, 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 aidez-la. Mambo sakatelebos. Brachinda lamados pratos. Brokabase kelebos parados. Et je suis dans la maison de ton père. Amen. Je suis dans la maison de ta mère. Amen. Je viens te retirer ce matin. Sauvez ses lunettes. Allez, tu sors maintenant. Je te retire de cet hôtel à partir duquel le programme satanique atteigne ta vie. Sors. 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 Et. Ma. Et. Si Karabados. Je te retire de cet hôtel. Ma bouche. Cet hôtel satanique à partir duquel ces programmes sataniques contre ta vie se forment. Je reste l'hôtel ce matin.
Ce matin, ce n'est pas une délivrance partielle, mais c'est une délivrance totale. Sois libre au nom de Jésus. Libre au nom de Jésus. Libre au nom de Jésus. Libre. Marche que t'es. Lemos, baratos, secate, lemos. Et là. Rebos, rebos, chakarabados. Hey, cabos. Ils t'ont dit, assieds-toi, on te dira ce qu'on fait. Ce matin, je détruis un projet dans ta vie. J'annule ce projet. Je te retire de ce programme satanique. Au nom de Jésus. Sauvez-moi ces lunettes d'abord. Mais chakabado. Ce matin, Shinga Yaga Seya Kos. Aidez-la, 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 aidez-la. Rebos, ratatataba, Shinga Barabados. Hey, oh, je te retire de la tête aux pieds. Je te retire de leur programme. Je te retire de leur programme. Alléluia. Ce matin, oh. Ma. Hallelujah. Imbra Deus te que lebos. Brakuze kenta bahoto sheka. Je suspends ce programme. Et je le retourne à l'expéditeur. Je fais un retour à l'expéditeur. Retour à l'expéditeur. Retour à l'expéditeur. Hey. Hey, un retour à l'expéditeur. Retour à l'expéditeur. Makata teste broche. Ribrados. Sebos chintabalabados. Ce matin, je te retire de la maison de ton père. Je te retire de la maison de ton père. De la maison de ta mère. Et je te plante dans le programme de Dieu pour ta vie. Au nom de Jésus. Et aujourd'hui, un programme. Aujourd'hui, un programme prend fin. Aujourd'hui, un programme prend fin. Et un programme se met sur pied. Alléluia. Amen. Hey, cabos. Ma. Hey, cabos. Rinda la bados. Hey, cabos. Recha kabalaba. Hey. Oh, my God. Hey, cabrados. Prados. Hey. Hey. Oh. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia. Chante-le de tout ton cœur parce que Dieu te fait sortir d'un programme. Chante-le de tout ton cœur. Je te retire de ce programme de mort. Au nom de Jésus. Je coupe cette corde. Je coupe cette corde. Et je te libère ce matin. Sois libre. Sois libre. Sois libre. Alléluia.
sais, la Bible déclare qu'il y a un temps pour chaque chose. L'autel dans lequel le programme satanique qui régit ta vie, ce matin, cet autel-là prend feu. Amen. Le champion qui est caché en toi sort de sa coquille ce matin. Amen. Alléluia. Humilié, humilié, tu l'as été. Rejeté, rejeté, tu l'as été. Mais Dieu te prend par la main et il te conduit dans la destinée que lui-même a écrite dans ta vie. Alléluia. Parce que tu deviens plus grand que ton père. Plus grand que ta mère. Amen. Alléluia. J'enlève les chaussures d'humiliation qu'on t'avait portées. Et je te porte des chaussures nouvelles. Oh Dieu, trois pour des pas géants. Fois saint. Pour une nouvelle destinée. Nous t'adorons. Et oh Dieu, trois fois. Les choses ne seront plus pareilles. Note bien. Tu es digne. Le 15 mai 2022. Dieu a réécrit ton histoire. Amen. Tu es digne de louange. L'esprit de famille qui avait enveloppé ta vie. Nous t'adorons, oh Dieu trois. Se détache. Nous t'adorons. Maintenant. Oh Dieu trois. Fois saint. Nous maintenant. T'adorons. Nous t'adorons. Tu es digne, tu es digne de louange. Alléluia, alléluia. On a dit, aussi longtemps qu'il n'accomplira pas notre volonté, on l'enterre. Alléluia. Et on l'a déposé dans la tombe de la famille, le caveau familial. On l'a considéré comme mort, fini. Parce que de la mort, quelque chose de bon peut sortir. Mais je veux dire à quelqu'un ce matin, oui. Yeah. Alléluia. Parce que Christ est ressuscité d'entre les morts. Amen. Aussi vrai que Jésus est ressuscité d'entre les morts, cette parole s'appliquera dans sa vie. Des opportunités arrivent autour de lui, mais la mort engloutit ça. Des pensées arrivent autour de lui, mais la mort engloutit cela. Pourquoi? Parce qu'on l'a mis dans le caveau familial. Mais nous allons dans le caveau familial ce matin. Nous marchons. Nous rentrons dans le caveau familial. Amen. Et j'appelle Dorian. Amen. De même que Jésus a dit Lazare, sors. Il a dit Dorian. 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 Au nom de Jésus,
Sors avec ton étoile. Au nom de Jésus. Sors avec ta destinée. Au nom de Jésus. Sors avec ta gloire. Au nom de Jésus. Je l'attrape par la main. Et je mets le feu sur les vêtements mortuaires. Je retire l'âme de Dorian. Sors de cette tombe. Sors. Au nom de Jésus. 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 Et il y a des familles comme ça où on a enterré plusieurs. On te regarde, on te dit ça va aller, mais on sait ce qu'on a fait. Sors par la puissance du sang de Jésus. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Jésus, lève-toi. Mon Dieu, lève-toi. Jésus, lève-toi. Jésus, acclame le roi des rois. Prends vie. Ressuscite. Ressuscite. Toi. Jésus, je suis puissant. Jésus, Jésus, la résurrection. Jésus, acclame le chemin, acclame la vie, acclame la résurrection, acclame le ressuscité, acclame le ressuscité, celui qui amène à l'existence, ce qui n'existe pas. Jésus, Jésus, lève-toi, Hosanna, lève-toi. Cette fois-ci sera la bonne. Cette fois-ci, cette fois-ci, cette fois-ci, cette fois-ci, cette fois-ci, cette fois-ci, de mon cœur. Parce que reçois la vieille femme est tombée. L'adoration venant de mon cœur, reçois. Est-ce que tu peux la chanter dans tout ton cœur? Adoration. Déposez-le. Reçois-la. Reçois ta bénédiction. L'adoration. Venant de moi. Cette fois-ci, reçois l'adoration. L'adoration venant de moi. Reçois. Reçois-la. C'est ta saison. L'adoration. Ne rate pas ta saison. Venant de mon cœur. Alléluia, Hosanna. Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Jésus, lève-toi. Jésus, Jésus, lève-toi. Jésus, Jésus, lève-toi. Jésus, Jésus, lève-toi. Tu es réellement Jésus. Alléluia. Tu es réellement Jésus. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Jésus, tu es réel. Je te couvre. Reçois la gloire. L'adoration venant de mon cœur. Reçois la gloire. Je te couvre. L'adoration. Je te couvre. Je te couvre. Parce que le feu
voile est déchiré. Le voile est déchiré. Alléluia. Le voile est déchiré. Alléluia. Aussi vrai que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts ce matin, alléluia, je te retire. Amen. Alléluia, hosanna. Ce programme satanique sur ta vie est suspendu, est annulé. Au nom de Jésus, voué à échouer. Au nom de Jésus, la vieille femme sort. Au nom de Jésus, qui est comme toi, elle s'en va. Au nom de Jésus.